Bonjour, bienvenue chez Timoun, entreprise de jeux et jouets en bois. Je m'appelle Didier Chauveau, je suis artisan menuisier et fabricant de jeux et jouets en bois. Voilà, je vais vous présenter un peu mon atelier et mes réalisations. Tout d'abord, là, quand vous êtes arrivé, j'étais en train de faire des puzzles. Avec une petite machine. Ce puzzle est un autocollant que j'ai collé sur une planche de bois. Et cet autocollant, c'est un dessin que j'ai réalisé avec mes petites mains. Tout est fait de A à Z, tout est fait manuellement. Ensuite, je vous présente le jeu de puissance 4, le puissance 4 en trois dimensions. Tout le monde connaît le jeu puissance 4 en plastique. C'est une barre avec des jetons qu'on doit aligner. Et là, le principe, c'est d'aligner des perles en trois dimensions, hauteur, largeur et en diagonale. Vous avez également le jeu de domino que je fais à base de chutes de bois. Donc, dans ce domino, il y a du hêtre, du chêne, du frêne, du châtaignier, et c'est fini à la pyrogravure. Une petite touche finale, c'est un petit chapeau en terre que fait ma compagne qui est potière. J'ai un nouveau jeu. C'est un jeu de cornol. Ce jeu de cornol est un jeu germanique qui existait au XVIIe siècle environ. Ce jeu est parti maintenant au Canada et aux États-Unis et c'est un jeu très très ludique. Le but du jeu, en fin de compte, c'est de se mettre à 6, 7, 8 mètres 20 exactement et de lancer des sacs de maïs. D'où le jeu Cornol, corne, maïs, hole, trou.